Donc bonjour, bienvenue au quartier Pasteur Foch de la ville d'Hazebrouck, donc un quartier qui est rentré en politique de la ville en 2014, qui compte actuellement 1300 habitants sur le QPV. Donc aujourd'hui, je voulais vous montrer un petit peu le quartier, vous présenter un peu les diverses associations et les personnes qui œuvrent dans le quartier. Donc si vous voulez bien me suivre, on y va. Donc je vais vous présenter M. Guy de Backer, qui est arrivé dans le quartier il y a 20 ans et qui a créé l'association résidente quartier Pasteur Foch et qui est également président de l'Union citoyenne Pasteur Foch. Donc c'est vrai que ça fait 20 ans que je suis arrivé dans le quartier et tout de suite m'est venue presque l'idée de voir s'il y avait une association de quartier et comme il n'y en avait pas, de la créer. Et j'ai un de mes voisins, M. Garcia, Jean-Marie, qui est venu tout de suite avec moi, et on a fait le tour du quartier pour voir justement les besoins du quartier. Ben, les gens ont parlé de brocante, de fêtes, etc. Donc c'est surtout pour montrer que leur quartier était comme les autres, et ils voulaient qu'on vive comme les autres quartiers. Vous savez, quand je suis arrivé dans ce quartier, j'ai dit non, je reste 6 mois et je me barre. Et puis j'ai vu des tuyaux électriques qui partaient d'un étage vers un autre. Je me suis dit, merde, qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est vraiment, il y a des travaux vraiment à faire pour qu'ils passent les câbles par les fenêtres. Et non, c'est des gens qui avaient l'électricité coupée et les voisins, par solidarité, leur donnaient du courant. J'ai jamais vu ça ailleurs, dans d'autres, à Hazebrouck et dans d'autres villes. Donc, et puis je suis resté du coup. Et on m'aurait proposé un autre logement, je ne serais pas parti parce que ce quartier me plaît pour ça justement, pour sa solidarité. Je te remercie Guy pour ton témoignage et surtout pour l'investissement sur le quartier Pasteur Foch et j'espère que nous pourrons continuer de travailler toujours en harmonie sur le quartier. Thank you.